Chérie, malgré que je sois cernée comme jamais, parce que ça fait 4 jours que je dors pas, bah, c'est trop bien passé. J'ai fait que dormir, franchement. Pas les enfants, pas de cris, ça manquait un peu. C'était trop fluide en fait, c'était trop facile. Du coup, voilà, franchement, ça s'est bien passé. Moi j'ai un gros problème avec la douane. À chaque fois que je passe devant eux, je fais une tête, ils m'arrêtent tout le temps, je vous jure, c'est comme si c'était suspect. Genre là je les vois au loin là-bas, ça y est, je sais déjà qu'ils vont m'arrêter. Genre à chaque fois que je passe devant eux, je suis comme ça, genre je baisse la tête. Alors que j'ai rien à me reprocher, mais je sais pas quel comportement avoir. Est-ce que tu les regardes dans les yeux? Est-ce que tu te dis qu'est-ce qu'ils pensent? Je suis arrivée comme un tank. Qu'on m'a pas volé mes poupettes, elle est là. Super. Je cache pas que j'ai un peu froid là. Tu sais que je te prends vidéo quand tu dors. Je te crois. Poupette, regardez juste comment je me suis allongée à l'aise sur une poupette pendant tout le vol. Je sais pas si vous voyez, genre, je me suis allongée sur elle, je la connais même pas. On s'est échangé deux mots. J'étais allongée sur elle tout le vol. J'ai très très bien dormi. La fille elle commence à m'aider à me porter le... Tu sors de... Elle sort de son lit. La Rosa sort de son lit. Sachez que... Et mes poupettes, je les fais venir me chercher à l'aéroport. Alors que c'est la mariée. J'ai pas une vie privilégiée, mais je suis sa témoin. Donc sans moi, elle ne se serait pas mariée. Je sais pas si tu seras toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis même pas sûre d'être présente à son mariage tellement que je suis recherchée mes poupettes. J'ai ma copine qui se marie, mes poupettes, et moi qui divorce. Donc, là, on est dans la voiture et elle m'accompagne pour aller voir l'imam. Arrête. Elle m'a ramené une labaya. Donc, elle était témoin de mon mariage, elle est témoin de mon divorce. C'est un truc de fou. Mais moi, je le prends avec la rigolade. C'est un truc de fou. Mais par ailleurs, ça va, t'es joyeuse. Est-ce que je suis joyeuse pour de vrai? Ouais. En fait, je suis pas. Franchement, n'ayez pas de pitié pour moi. Hein. Là, c'est vrai que ça. Je pense qu'après, que quand ça va être prononcé, là, juste après, bah, je vais avoir une petite larme qui va couler parce que je me dirais, frère, ça y est, c'est fini, genre. Mais en gros, je suis trop contente pour ma copine. Par là, il n'y a aucune jalousie. Je suis trop heureuse qu'elle se marie. Je vais être là comme si c'était mon mariage. Parce que je sais que mon avenir, il va être meilleur. Genre, je sais qu'il y a meilleur qui m'attend et tout. Donc voilà. Donc là, on est posé devant chez l'imam parce qu'il ne me répond pas, miskine. Il doit être en train de dormir. Du coup, on attend sagement, très poliment, devant chez lui, bah, le temps qu'il sorte, quoi. En fait, on est en train de scroller TikTok avec Isra et on se rend compte qu'on a exactement le même pour toi. On n'est pas des meilleurs amis pour rien. On aime trop regarder les mêmes trucs. On me dit pay oui pour toi, t'es aigri. J'aime bien aussi Tess. Je rentre dans le game. He's giving Barbie. Ah, elle prend pas feu. Ça prend feu, t'es une... Non, ça prend pas feu. T'inquiète pas, c'est juste la chaleur, t'as roulé dessus, mon gars. Bon bah du coup, on va mettre la roue de secours, t'en as une? Viens, t'inquiète, on va le faire bien. Jamais. Attends, je vais couper le contact. J'ai peur d'y aller. Attends, je dois rentrer par là parce que j'ai peur d'aller sur...
Ouais, attends, Jamel, on te met en FaceTime ici parce que tu vas accompagner Kenza pour changer les pneus. Là, j'ai le cric, Jamal. J'ai le cric là. T'as dit quoi? J'ai la classe ou pas? Mais c'est la pression du pneu, j'ai vu son tableau de bord. Donc là c'est le cri, on est là. Il a dit quoi? T'as dit quoi? Une dépanneuse. Mais faut que je fasse l'aller-retour moi. Donc là d'abord faut desserrer les boulons et après on lève avec le cri. Il a dit il y a trois tailles. Hein? Il a dit il y a trois tailles. Oui, bah là c'est la bonne taille, je me sens parce que ça force. Attends. Il a dit monte dessus, si t'arrives pas. Doucement avant. Et mon petit corps de sauter, tu veux faire quoi? Vas-y, tu vas craquer, les deux. Non, t'inquiète, on va y arriver. Est-ce que je peux monter un peu le. La mariée. Alors attends, je vais filmer pour lui montrer à... Je mets un coup de pied. Il a dit non, faut faire une rallonge avec ça. Je suis pas belle ou quoi? Il y a personne qui veut nous aider. Avant je faisais ça, ça aurait été plus. Elle essaye de tuer le boulon mes poupettes pendant que moi je fais du stop. Je fais des dédicaces. Dédicaces. Eh vas-y, j'en peux plus de cette vie. C'est quoi cette dégaine? C'est quoi ça? J'en peux plus. Eh, je suis fatiguée de cette vie. C'est quoi ça? Mais non, mais elle est comment en rond, wesh? Wow. Attends, dernier essai, je sens que celle-là c'est la bonne. S'il vous plaît, aidez-nous. On a filmé, il nous a vu. C'est là que tu vois que c'est possible. Donc, ils sont ok, pas mariés, ah, ils sont... ok. Une poupette et son copain, je filme pas la tête, t'inquiète. Ok, ils sont pas mariés, on filme pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider à changer la roue, s'il te plaît? Vas-y. Après, je sais pas comment on filme, mais vas-y, je vais essayer. Ok. Le mari d'une poupette, il nous aide. C'est trop mignon, là. Trop contente. Deux poupettes ont croqué à l'hameçon. Elles sont venues nous aider avec leur mari, trop bien mes poupettes. On va repartir avec une roue. T'es contente? Ça va, là, il reste pas longtemps. Et j'en peux plus, c'est quoi cette vie? En fait, écoutez, mes poupettes, expliquez-moi, dites-moi, c'est quoi cette vie, frère? Deux chats noirs, voilà, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie qu'on a jusqu'à quand? C'est rien, c'est le truc. Vas-y, plus jamais je vais la chercher à l'aéroport. En fait, sur la route, j'allais te dire quoi là?
J'allais te dire, au moment où le pneu il a éclaté, j'allais te dire quoi? T'es pas trop contente d'avoir une copine à Paris qui habite à Paris pour chercher des vols à l'aéroport entre Dubaï et Paris? Tu vas revenir ou pas? Non, voilà, je reviens. C'est rien, c'est un pneu, c'est ça, pas tout le monde. En tout cas, les poupettes que tu croisais m'ont dit des âmes ont trop menti. Que j'étais trop belle. Donc là, en fait, je me sens belle malgré que j'ai 0 heure de sommeil dans le sang, un billet d'avion de. Enfin, un vol de 9 heures dans la face. Franchement, là, je me sens bien. Elles m'ont dit. Quand les deux, en fait, elles m'ont dit, elles sont pas dit au même moment, genre que j'étais belle. Aujourd'hui, t'as eu temps de divorcer, de changer un pneu. J'explique même pas tout ce que t'as à faire demain. C'est quoi cette journée? C'est quoi cette vie, tout simplement? Et moi, ma vie, c'est pas possible. Demain, j'ai un rendez-vous très, très, très important. Tant que ce rendez-vous n'est pas passé, vous ne voyez pas. Le rendez-vous, il est tôt le matin, donc ça va. Et quand je le termine, je viens direct sur Snap et ça y est. Une fois que le rendez-vous est passé, ça rond, là, je vais à Rond, je me dirige à Rond. Et bah, je reste sur Paris toute la semaine. En fait. L'après-midi, je suis putain de meuf, y'a pas des suites à toi. Même la musique est à nous. Il se passe quoi là? Non mais arrête là, tu rigoles. Là l'histoire comme ça se finit en accès. On a rien. On se calme. Oh, c'est temps. Je me mets en valeur que pour un putain de mec. D'après mes ex, je suis une putain de meuf. Y'a pas d'issue de secours. Dans tes bras que tu veux.